Ah coucou YouTube, c'est parti pour le monde de l'eau. On va dans les égouts. Oh non, attention. On avait trouvé la magie du poison. Ah, qui est trop forte. Je veux dire, ce qui est, c'est trop fort. On a juste à rien faire. C'est beau un monde qui joue. Vas-y mon petit. Vas-y mon petit. Mon petit, par contre, tu... T'es long, hein. T'es long, hein. T'es long au démarrage. C'est un diesel. Hein. Plutôt sur un diesel, là. Non, un diesel ou une essence? Une essence, plutôt, c'est. Excusez-moi, je suis pas mécanicien, moi. Oh, je me fais vraiment toucher comme ça? Ah, oh, et lui, ça va être trop fort sur lui, non? Vas-y! Mais va dessus, va dessus. Superbe. En plus, on vient de me dire un truc, si je me mets dans mon poison, ça me protège de tous les tirs aussi. Parce que du coup, ça bloque les tirs bleus. Fantastique. J'ai jamais vu. Bah, du coup, il faut aller là. Purée, les monstres, ils ont changé. Oh non, il y a des monstres forts maintenant, il y a des monstres forts. Oh, des araignées femmes. Alors autant j'aime les femmes, mais autant là, l'araignée, c'est dégueulasse. Hein. Je m'en souviens en plus d'elle. I remember. Je remember qu'elle me cassait bien des bonbons. Et oui, ça y est, je me souviens pourquoi maintenant. Mais elles sont écœurantes. Elles sont quand même moins bien que les femmes dryades qu'il y a dans le tien que tu jouais à Fantasia. Préféré, hein. C'était quand même plus sympa. Hein. Do you remember? Do you remember? September. I do. Les femmes plantes, c'est Silax. Ah ouais. Les femmes, enfin les femmes, les ados, on sait pas trop, excuse-moi, mais ça porte à confusion quand même leur histoire. Hein. T'es plutôt sur des femmes type ado, quoi. Les japonais, ça. La demoiselle. Ouais, on était à la limite du légal. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'on était sur... Hashtag petite girl, hein. Coller la petite. Regardez, on brille et là. L'eau elle devient bleue. Je sais pas pourquoi, c'est le collier qui fait rendre l'eau bleue. Alors évidemment, les bonnes ambiances, les poissons. Les poissons, les hommes poissons. Les hommes poissons. Et quand ils sortent de l'eau, ils nous crachent dessus. Alors finalement, on veut pas trop sortir de l'eau. On peut farmer ici aussi, hein. Ah, c'est long. On traverse. Foutez-moi la paix. Il
Non mais là il y a un passage secret, c'est sûr. Là il y a un passage secret, c'est sûr. Oui. J'ai plus de magie. Ah, toute ma magie a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, quand je l'aide. Oh, Ice Armor, il a une carte lui aussi. On s'est fait congeler. Ça n'est pas ça secret. On s'est fait congeler. Alors, est-ce qu'on se fait chier à dropper la carte? Vous me posez la question? On a dit qu'on se faisait pas chier à faire le 100%. Il faut qu'on respecte notre devoir d'engagement. Pour mettre le levier. Ben oui, bien sûr, j'avais compris qu'il fallait passer dessous. Mais il y a un bug, regarde, ma magie, quand je l'active, tout à l'heure ma magie elle est partie à zéro. Bon, ça le fait plus du coup, mais... Stratégie quand même. Dis donc. Si j'ai pas bac plus 15, n'aurait pas trouvé. Hein. Ouais, est-ce qu'on va voir ce qu'il y a là-bas dessous? On va voir. De toute façon, il faut aller vite là. Non, mais j'ai pas le temps. Si j'active le levier. Mais il y avait notre levier en haut, je crois. C'est le jeu où ce que, dans la vraie vie, quand tu n'as plus l'interrupteur de ta chambre pour allumer la lumière, tu bouges plus. Et quand tu relâches pour sortir, elle s'éteint. Quand tu actives le levier, tu peux pas te déplacer. Comme la vraie vie, quoi. Tu fermes ton... Quand tu ouvres ton portail, tu peux bouger. Ouais, là-bas, il y a un truc, là. Ouais, on a vu. Vu. Mais il y a juste des monstres. Bouge! Bon ben le jeu me laisse pas trop le choix. Hein. Putain. Oh putain. Ouais, le levier il est là. Ouais. Oh putain la chute. Qu'est-ce qu'il y a si je passe en dessous là? Est-ce que je peux passer en dessous d'ailleurs? Je crois que je peux pas parce que quand j'appuie le levier... Et oui voilà, ça fait tout plat. On va quand même faire une save state là parce que je sens que force de faire le kikou. Force de s'amuser à faire le kikou, voilà. Exactement ce que je m'attendais. Force de s'amuser à faire le kikou. Merde, j'ai activé le levier. J'ai pas fait ce bré. Non mais ça c'est abusé par contre ça aussi hein. D'où ça me touche j'en sais pas quoi. Mais oui combien?
Vite. Je suis perdu. Allez, on s'emmerde un peu. Combien ? J'ai bu par le nez, ça m'est remonté par le nez. On se gêne par 6 maintenant. Et la plateforme, jamais elle remonte là ? Non, c'est de base, elle est en bas. Oh non, il m'a touché pas. Putain. C'est honteux, ça. Mais attends, parce que du coup, il y a des endroits où on n'a pas été. Attendez. Non, mais il doit y avoir un levier ici. C'est sûr. Pas du tout. Pas du tout. Parce que là, si j'active le levier, ça, ça va monter. Ça, ça va monter. Ouh ! Ouh ! Ça va péter, là. Attendez, deux chemins. Plutôt au-dessus ou plutôt en dessous ? Plutôt au-dessus, moi je dis. Oh ! Ah, le Star Bracelet ! Enfin, pourquoi je sens que ça c'est mieux que tout ? Il est où ? Ah ouais. On prend. On prend, bien sûr. On pourrait gagner un peu de force, mais on perd de la défense, alors on garde ça. Et par contre, en équipement. Oh, 540, on met ça. Full défense. Merde, fais toucher. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh putain, il y a une zone où on peut pas encore aller parce qu'il faut le truc pour sauter vers le haut. J'ai envie de crever. Ah mais vous savez quoi? Je crois me souvenir que si on gelait les ennemis, on pouvait leur marcher dessus. D'un coup là, je me souviens de ça. Et si j'ai raison, ça fait 1000 ans qu'on aurait pu le faire. Je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler. Alors qu'en fait, vous voyez, depuis le début, on pouvait grimper partout. Tous les endroits où il y avait des monstres qu'on disait « Ah, mais comment faire ? Comment faire ?» Bon, mais en fait, il suffisait juste de faire ça. Bah, au moins, vous le saurez quand vous jouerez au jeu. Ce fouet de l'enfer. C'est pas un fouet, c'est une épée. Oh putain, par contre, quand je me fais geler, que je me fais taper,
Voilà, style armor, c'est forcément meilleur que ce que j'avais là. Elle est où, style armor? Oh bah oui, c'est meilleur. C'est l'épée. Regardez, bam, bam l'épée. Oups là. Toujours pas de carte. Non, mais ça, c'est du foutage de gueule. Un petit point de sauvegarde là par là, là. Il y a le fouet de feu aussi, hein, si je fais ça. C'est le fouet de feu. Très longue épée. Ah, c'est une... Voilà, quoi, c'est... Il a pas l'épée dans sa poche, comme on dit, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, oh putain, oh putain, go. Foutez-moi la paix. Non, foutez-moi la paix, je vais crever. Oh putain, vite. Je peux pas rebondir dessus. Oh putain, par contre, je peux faire quelque chose là. Il y a un plan. Il y a un plan de l'enfer à faire là. D'avoir de passage secret par là. Je suis perdu. Pour le cul. Oh, purée de pommes de terre. On va mourir. Ah, ah bon? Ah bon? Ah bon, ça bugged. J'ai le son qui est décalé. Vous aussi, apparemment. Oh, cet émulateur. Cet émulateur de Switch. Fait tout bugger. Elles font peur, les Banshees. Et quand elles crient, t'as peur. Il y a un truc là-haut. Il y a un passage secret, c'est sûr. Et là je peux pas rebondir donc du coup. Oh là là, elle va se calmer lui. Il y en a dans tous les jeux un peu sombre, ça m'énerve. Bah là c'est pas hyper sombre. Ah mais tu veux dire sombre dans l'univers quoi. Dark quoi. Ah les Banshees c'est un classique. On crée tout le temps. J'ai un souci avec les sons. Ah, c'est sûr qu'elle... Elle crie. Ok. Ils sont rarement contentes, quoi, les Banshees. C'est vrai que... Ah, il doit y avoir un levier par là. Mais je sais plus par où il faut aller moi là, je sais plus hein. Qu'est-ce que c'est ça? La Wish. Y'a Wish. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie, Wish. Ah, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Oh putain. Elle va me tirer dessus, elle va me tuer. Sorcière maintenant. Mais qu'est-ce que c'est ces égouts?
Nous sommes littéralement dans des égouts où il y a des sorcières et des fantômes. Frère, il y a un problème de... T'as un problème dans ta fosse sceptique. Il y a un problème de fosse sceptique. Les égouts de Salem. Non mais c'est ça. Il y a réunion. Réunion dans les égouts. Il manque plus que les rats. Il y a des poissons. Il y a des poissons espadons. Il y a des sorcières et des fantômes. Je plains le dératiseur, quoi. Ou le gars qui vient... Comment il s'appelle, comment ça s'appelle, c'est le plombier. Je sais pas comment on appelle ça. Hein. Les hiboux, ceux qui vont déboucher les trucs, quoi. Ça manque de loups-garous et d'orques, j'avoue. Il y a un problème. Il y a un problème, il les manque. Ils sont où? Hop, voilà, max MP. Et comme ça, on se refait chier avec ça. Ah mais j'avoue, il y a un problème là. Il manque. J'ai l'impression qu'il fallait aller au-dessus d'abord. C'est petit loup-garou. Non mais les loups-garous, on les a déjà eus. Dans un autre étage, donc il n'y aura pas les loups-garous. Il y avait les werewolves. On a même eu les tigers. Les were-tigers. Les hommes-tigres. Les were-lions. Ah oui, les were-panthers. Du Wakanda. Bon, ça merde, c'est trop long. Les were-panthers. Mais vraiment, tu m'as touché, là? Deux fois? J'ai envie de te tuer. Ah, mais j'ai l'impression que ça, c'est le bon chemin. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais j'ai l'impression que c'est le bon chemin. On s'est fait chier à Régène pour rien, il y avait une point de sauvegarde ici. J'ai envie de canner. Quoi ça? Fish head. Spearfish. Ah, raté. Oh non, encore le bug du son. Ça va. Ah ouais, non, mais il y a des chemins partout là, c'est pire que tout là. Attends, est-ce que c'est mieux l'armure qu'on a eu là? Chainmail, non, c'est moins bien. Ah non, là, il y a trop de chemin là. Et puis en plus, oh là, en plus, il y a des trucs. Je sais plus où j'en suis. Oh, mais foutez-moi la paix! Par pitié. La 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 la. Je sais pas où je vais. Autant vous le dire, je ne sais pas du tout où je vais. On avait pas un levier par... Mais d'où je viens en fait? Je sais plus d'où je viens. C'était où la route? Ah oui, non mais il y avait un levier mais on peut pas... Ah si, on peut. Parce que là, je vais pouvoir monter du coup. Sans me faire chier. Ah oui, mais là, ça va être fermé, du coup. On est où, là? Au secours. Et il est où, l'autre escalier qui montait? Non, mais... Oui, c'était par là, mais oui, ça, c'est le bon chemin. Mais avant ça, on a raté d'autres trucs. On va aller jeter un oeil d'abord. Parce que je veux bien qu'on fasse pas le 100%, mais on n'est pas des animaux. On va quand même aller regarder ce qu'il y avait. Bon, j'en ai marre de me faire taper toutes les secondes. Une potion? Même pas, ouais, non, vraiment pas. On n'a pas les wish. Eh mais du coup on peut plus passer. Parce que j'ai activé le levier.
Elles sont nulles les sorcières. Il y a des ennemis, il me faut 300 coups pour les tuer et faute de coups. C'est un spectacle quand même ce jeu. Tu croises un ennemi, tu mets deux tartes et tu mets par terre. Et 200 mètres après, tu trouves les autres ennemis, il faut un coup pour les tuer. Il y a un problème de calibrage. Voilà, là on peut plus monter. Et si je vais tout en bas? Évidemment, il y a les witch. Attendez, il y a un levier pour quoi faire. Attendez. Il y a forcément un levier qui débloque quelque chose quelque part. Il l'aurait pas mis là, sinon. Parce que là, je pouvais déjà monter là où je voulais. Donc peut-être que ça me débloque un accès. Parce que là on pouvait déjà monter, mais là on va être bloqué maintenant du coup. Puisqu'il y a l'escalier. Bah oui, c'est con. C'est complètement con. Bon, pas l'intérêt d'avoir mis un levier là-bas. Parce qu'on pouvait très bien accéder partout ce qu'on a fait là sans le levier. Pourquoi avoir mis le levier? C'est débile. C'est de labyrinthe un peu tout ça. Oh, j'ai envie de mettre le machin où c'est que je prends plus de dégâts. Ah bah si, c'est pour m'aider à monter là en fait. Sauf que moi, je suis monté en trichant. En fin de compte. Mais en montant en trichant, ça me permet d'accéder... Oh le lop. Ça me permet d'accéder ici. Donc là, il y a forcément un truc caché. Putain, tout à l'heure, on était là déjà. Il fait juste faire ça. La luck. 25% de luck en plus. Hein. Si on n'a pas la carte, là, on n'a plus la carte. Hein. Putain, mais c'est incroyable. Non mais ça, je me fais avoir à chaque fois quoi, c'est ouf hein. Par contre, j'ai un doute, mais tu vois, je pense que si je fais une sauvegarde là, que je le tue. J'ai le calendé. Ah non. Et que je charge la partie. On peut faire que comme ça aussi. Mais c'est trop long, ça met 2 heures, ça rame. Jeu en PLS. Tu vois, on pourrait faire comme ça. Mais voilà, le problème c'est que le jeu, il... Parce qu'en fait, à chaque fois que tu tues le monstre, t'as une chance de drop différente. Ah, si seulement je t'avais plus fort. If only. Là, je crois que la carte, ça va pas être pour aujourd'hui. Hein. C'est comme la succube, ça on l'aura jamais. Hein. Là, on a l'armure quand même, on a l'armure. Après, vous me direz, on prend des levels quoi. Enfin, des levels. 33 800. Ils font tuer 200 quoi. Ah non, 32 000, putain. Non mais...
Non, mais non, on prend même pas 1000 quoi. On l'aura jamais, je crois. Un petit dernier. Bon, allez. On se casse d'ici. On a 500 de luck, ça drop pas. Pas le temps de niaiser, non. On a tout fait là. Ouais. On fait un petit coup de save là. Mais. Il va y avoir le boss là. On va avoir le droit à un boss. Ah oui, j'ai pas activé le levier. Levier de l'angoisse. Oh putain. Oh, c'est la chienlit là. Oh la wish, oh la wish. Allez vous faire foutre. Pas que ça à foutre. J'ai envie de canner. Envie de canner. Il faut remonter pour activer le levier de mon cul. La wish qui bug. Non mais c'est la wish là. Vous auriez Mario voiture sur la wish. J'aurais Mario voiture s'il vous plaît. Vous avez Mario voiture ? J'ai raconté la dernière fois avec, avec Gran Turismo ce qu'on m'a dit. On m'a demandé. On me dit bonjour. Est-ce que vous avez Gran Turismo ville. Gran Turismo dans la ville. Sur Xbox. Je dis bah Gran Turismo c'est pas dans la ville mais je l'ai mais c'est pas sur Xbox, sur PS4. Non monsieur, moi je le veux sur Xbox. Oui mais c'est une exclusivité PS4 monsieur. Bon ben mettez-moi de côté, j'arrive. Ah mais on met un Gran Turismo de côté. Le gars il arrive. Le lendemain. Donc on s'en souvenait plus nous tu vois. Le mec il vient il nous dit bonjour on m'a mis un jeu de côté, un Gran Turismo de côté. Donc nous on cherche pas à comprendre, on prend le jeu, on lui vend. Donc il nous dit il coûte combien? On lui dit genre 20 balles. Oh, on a eu la carte. Non, du 20 balles, quoi. Et le lendemain, il vient. Il nous dit. Il prend le jeu, donc Gran Turismo sur PS4. Et on lui dit, ça fait 16 euros. Il dit, merci, bonne journée, au revoir. Il s'en va. Il revient un quart d'heure après, puis il me dit, vous êtes trompé de jeu. Hein. Je vais vous mettre des Gran Turismo. Il me dit, non. Moi, c'était sur Xbox. Alors déjà, le gars, quand il a acheté le jeu, ça n'est pas rendu compte. Il me dit, non, bah, ça m'a paru bizarre que le jeu soit moins cher que ce qu'on m'a dit hier. Oui, bah déjà, ça t'a pas tilté, quoi. Tu vois, déjà, premièrement. Et je lui dis, mais en plus, c'est un jeu PS4 que vous donnez à les mains, là. Il me fait, oui, j'ai remarqué, mais bon, j'étais pas sûr, quoi, du coup. Bon. Admettons, et je lui dis, mais du coup, c'est quoi que vous voulez? Il me fait, bah, c'est Gran Turismo, mais dans la ville. Oui, monsieur Gran Turismo. Et je lui dis, GTA? Il fait ouais c'est ça dans la ville là avec les pistolets et tout. J'ai dit monsieur Grand Theft Auto c'est pas pareil que Gran Turismo. C'est pas les mêmes mots. Il me dit ouais vous êtes trompé. J'ai dit non, je ne suis pas trompé. C'est vous qui êtes trompé.
Si vous allez dans. Si vous allez dire bonjour, je voudrais une Toyota, et qu'on vous file un frigo, là, le mec s'est trompé. Mais si vous demandez un frigo parce que vous voulez une voiture, bon, ben là, c'est vous qui vous êtes trompé, quoi. C'est, je veux dire. Moi qui voulais GTA. GTA. Gran Turismo Ville. Un délire. On a eu de la sirène. Ah non, on n'a pas eu de la sirène, c'est juste qu'on a eu le. C'est comme votre GTA avec Gran Turismo. C'est pareil. Gran Turismo Ville. Je voudrais Gran Turismo dans la ville. C'est GTA. Mais ça n'a aucun rapport avec Gran Turismo. Grand Theft Alsace. Ah, c'est ça. Mais non, GTA, c'est Gran Turismo Alsace. Les meilleurs circuits d'Alsace. Je passe dans les petits villages et tout. Dans les petits virages, tu fais du rallye dans les petits virages. Et tu fais des haltes pour manger des choucroutes. Oui, c'est ça, je voulais rire. Ouais, Gran Turismo Alsace, c'est ça. Ouais. À chaque fin d'étape, tu te fais une choucroute. Oulala, oulala, oulalalalalala. Oulalalala, ça va mal se passer. Mais je me fais casser le cul. Ne vous inquiétez pas, tout va se passer, je triche. Mais c'est n'importe quoi ce monstre. Tout ça pour gagner un cœur. Ben, on va mourir. Aïe. Ah mais c'est un délire, hein. C'est un délire des fois les gens. Je crois que je m'y pose au mauvais moment. Ah non, apparemment ça va. Coucou Tuile, comment tu vas? Je viens de rater l'anecdote sur Gran Turismo Ville. Si tu veux aller voir le replay à 1h45. Non, 1h49, ça doit être il y a 2 minutes. À 1h47. Pour avoir le replay. Comment tu vas? Bah écoute, une journée mouvementée. À travailler. Le travail, c'est pas la santé. Celui qui a dit ça, c'était vraiment... En fait, je pense que celui qui a inventé cette expression, ça devait être celui qui faisait brosser les gens pour lui, quoi. Tu vois, genre le mec qui avait des serviteurs, des servants, des servants, quoi, tu vois. Ouais, le travail, c'est la santé, hein. Mon cul, ouais. Excusez-moi. Excusez le langage, c'est... Des fois, je craque. Tu vois les mecs, ils ont travaillé les gens dans les champs de coton, là. À coup de fouet. Oh, les gars, le travail, c'est la santé, hein. Ouais, ben... Je suis pas sûr qu'ils se portaient si bien que ça, hein. Bande de salauds. Les exploitateurs. On les connaît, hein, ces petits salauds. Oh non, rien, c'est juste que les gens, ils rendent fous. Les gens rendent fous. Alors là, je pense qu'il va falloir grimper. Là-bas, il va y avoir un levier, il va falloir revenir en arrière. Quelqu'un qui m'a demandé un jeu, mais pas le bon jeu, quoi. Pas aujourd'hui, mais... Gran Turismo Ville. C'est un délire, hein, Gran Turismo Ville. Hein. Alors souvent... Lâche-moi. Souvent, on nous demande aussi si on a The Creed. Vous avez The Creed? Sur PS4, The Creed. Ça, je vous l'avais raconté déjà, je crois, The Creed. Vous avez The Creed? T'as The Creed, Fantasy?
Assassin's Creed? Non, 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 pas du tout. C'est pas The Creed, là, le jeu de voiture. Le jeu de voiture, là, The Creed. Forza? Non, pas Forza. Par contre, souvent, on me dit, vous avez pas Forza sur Play? Ah, il y a le boss, là. Vous avez pas Forza Horizon sur Play? Je l'ai vu sur Internet, sur la jaquette. J'ai vu la jaquette sur Internet. The Crude. Ah non, The Creed. Vous connaissez pas The Creed? Vous connaissez pas The Creed? C'est The Crew. The Crew 2. Jeu de voiture The Crew. Oh non. Un boss de l'enfer. Il y a du lore. Mais elle est là, elle. À toi? À toi, tu étais avec Dracula dans le hall. Oh, je suis Camilla. C'est quoi Baconhead? Voilà, elle a Baconhead, elle a fait apparaître Dracula, quoi. Elle l'a ramené. Et pourquoi tu veux qu'il revienne? Tu veux que ce monde, ce soit la galère? Ah mais quoi, ce monde, c'était pas déjà la merde? Elle a géchant Camilla Cabello. Ah les people, les gens, ils adorent le darkness, l'obscurité, les trucs de chaos, d'avoir des pouvoirs magiques. Ils regardent Buffy contre les vampires et ils adorent Twilight. Merde, j'ai appuyé. Voilà, c'est simplement qu'avec Dracula, le monde, il sera vraiment ce que les gens y veulent. Mais non, tu racontes de la merde. Ah, mais si seulement tu voulais faire comme tout le monde et embrace. Embrasser les ténèbres dans ton cœur, dans ton âme. Alors voilà, ça serait un nouveau monde pour toi. Ferme-la! Ah, celui qui était avec toi, là, il était quand même plus honnête. Hein. Il s'est rendu compte de la réalité. Même mon maître, il a été d'accord. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait à Hugues? Oui, Hugues, il a accepté d'embrace les darkness pour devenir plus fort. Oh. C'est sexy, hein? Alors, est-ce qu'on utilise la technique de tout à l'heure? Attention. Alors, il fallait prendre ça et le poison. C'est Bayonetta. Oh là là, le laser! Allez, va dessus! Va dessus, mon petit, va dessus! Va dessus! Mais va dessus! Va dessus, sac à merde! C'est le jeu Succube. Attends, Succube, c'est le jeu que j'ai vu sur Internet, là, un peu bizarre, là, où c'est qu'il y a que des gens tout nus. Où il y a des monstres qui baissent des hommes par le cul. Un enfer. Et où la succube, elle découpe des gens et tout. Ah, c'est bien ça, c'est ça le jeu. Ah, j'ai vu des gens qui en parlaient sur Twitter. J'ai vu le CM de Square Enix en parler. Elle est morte. Oh. J'ai vu le truc, j'ai dit ah bon, ça avait l'air d'être un jeu sympa. Vu une présence démoniaque, Luxio a exploité vos compétences. Ses compétences, plutôt non? C'est quoi une compétence? Je connais pas le mot. Ah c'est trop tard, le rite a déjà commencé. Ah c'est. Il manque plus que la pleine lune. Ah c'est juste une question de temps. Compétence, Ro. Ah, j'aime bien que c'était compétence.
avant que le maître ait récupéré tout son pouvoir démoniaque. Ton pauvre maître et ton ami, ils vont être dans le cul, disparus. Oh, maître Hugues! Oh non, rendez-nous maître et Hugues. On a des ailes, ça y est, on peut voler. Ben oui, moi je joue des fois à Pokémon Unit. Regardez, maintenant on peut faire ça. Le vol. Vous avez vu un peu le vol? Foutez-moi la paix. Le vol. Allez ça. Le vol. Non, Alexa, tais-toi. J'ai dit regardez ça. Pas Alexa, donc. Non, stop. S'arrête pas, cela. La grenouille de la Mario Odyssey. C'est un peu ça, ouais. Vous avez vu ça? Non, Alexa, stop. Insupportable. Ça supporte plus. Ça choquerait. C'est sûr. Oh, de la vie. Oui, je joue moi des fois à Pokémon Unit. Là, je fais mes dailies en fait, quoi. Pourquoi y a pas marqué son nom au monstre sur le côté? Vous avez vu, y a pas marqué son nom comme on avait depuis le début. Méchante fille, ouais, c'est vrai. À chaque fois, les monstres, quand on tape, y a marqué sur le côté. Et lui, il a pas écrit. Comme si y avait quelque chose de bizarre. Mais on va jusqu'où, là? Au plafond. Y'a pas d'autre passage secret, là. On est à la fin du jeu, là, regardez. Il manque plus qu'un truc. Je crois que ce qui nous manque, c'est pour atteindre la porte de Dracula. C'est la clé de Dracula. Attendez, il y avait des trucs à faire avant. La porte de Dracula. C'était où? Ah. La Dracula. La Dracula. Il n'y avait pas mieux à faire comme jeu de mots. Draculé. 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 Qu'est-ce qu'il y avait ici? On a déjà pris ce qu'il y avait? Ah non, là. Mais foutez-moi la paix! Ouais, ce Pokémon Unit, ils ont sorti des nouveaux personnages en plus. Il y a Evoli là, Noctalie ou je sais pas quoi, il est nul. Il est trop nul le perso. Par contre, au niveau des téléporteurs sur la carte, ils sont assez radins. Hein. Je sais pas si vous repérez, mais. Putain. Il y a 2 TP quoi. J'ai le testé un peu tout à l'heure, pas fifou quoi. Merde. Pas fifou, j'étais pas emballé. Mais Voli, il est shit? Ah non, je trouve pas justement, je trouve qu'il faisait pas beaucoup de dégâts. Et par contre, il y a plein de persos qui ont été nerfés, hein. La plupart des persos, maintenant, ils se font rouler dessus. Et on prend beaucoup plus cher qu'avant. De ouf. Mais ça me dit plus les loots, regardez. Ah, moi, c'est parce qu'il n'y a pas de loot. C'est pour ça aussi. Les objets full attaque. Et là, j'ai vu qu'il y avait des objets qui étaient vachement cheatés maintenant. Genre, pour les cacs, les corps à corps.
Genre dès que tu prends des dégâts, tu te fais soigner, tu te tapes plus fort et tout. Enfin, c'est... Ah oui, là c'est marqué, c'est bon. Et pourquoi on va là? Par où qu'il faut passer? Ah, foutez-moi la paix. Ah, là on n'a pas été rodé. Pouette. Alors qu'on pouvait y aller tout à l'heure avec la glace, mais on ne savait pas. Peut-être passage secret ici là. Passage secret dans le passage secret. Non. Je sais pas s'il faut vraiment aller par là, mais le doute m'habite, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut que je retourne à Dracula. Et Dracula, on va sûrement croiser Hugues. C'est transformé qui va dire il faut que tu me combattes, Dathan. Parce que Hugues, il est jaloux. Il va laisser parler les ténèbres qui sont en lui. Oh, je me fais chier à grimper alors qu'il suffit de faire ça. Ok, là. Je crois que c'est à Dracula qu'il faut aller, mais je suis vraiment pas sûr. Allez, poussez-vous, j'ai pas le temps. Ah, la succube! Toujours pas sa carte à elle. Hein. Là, il nous manque deux cartes de sûr qu'on n'a pas pu avoir. Sur les Ice Machin et la succube. À moins que ce soit la même carte. Là, il y avait la Thunder aussi, qu'on n'avait pas eu. Et du coup, lui, maintenant, vous voyez, on le two-shot, je crois, non? Bon, évidemment, je fais n'importe quoi, mais... Donc, en vrai, là, déjà, pour farmer, c'est beaucoup plus simple, quoi. Sauf que le problème reste toujours le même, c'est qu'il me drop jamais ce que je veux. C'est-à-dire qu'on a tout sauf la carte. Je sais pas quel est le taux de drop des cartes. Est-ce que quelqu'un a l'info sur internet? Sur les internets. Du taux de drop des cartes. De l'efficacité de la luck aussi, parce que là... Merde. Parce que là, avec ça, on est à 537. On drop des gants toutes les 2 secondes, mais la carte... J'ai pas l'impression que ça influe beaucoup sur le drop de carte. Ah, ça, je pensais que ça faisait des dégâts, mais pas du tout. Fous de moi. J'ai cru que c'était la carte. On l'a eu. On a eu qui Manticore. Bravo. Ah mais c'est ce qu'il nous fallait. C'est quoi ça? Il faut que je me fasse toucher ça pour que ça fonctionne. Bon, on va se faire toucher pour voir. Bah non, ça fait rien. Je pense que c'est anti-poison. Il faut que je me fasse empoisonner, ça me guérit du poison, un truc comme ça.
Le retour du fleuriste. Mais là, c'est... Ah, mais c'est ça qu'il fallait. Oh, ça, c'est trop bien. Ça fait que 1, mais c'est trop fort. Quand tu te fais tirer dessus par des ennemis, là. Celui qui avait la faucille tout à l'heure, là. Toutes les faucilles qui te foncent dessus, bam, 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 tout repoussé. C'est trop bien. Fleuriste. Lui, c'est le vrai fleuriste. Il est là, le fleuriste. Ah, c'est lui qui faisait ça. C'est fort ça ou pas? C'est pas fort. Bon, on le saura jamais. Bon, c'est pas très fort, j'ai l'impression. Par où il faut aller là? Par en haut. Mais remarque, deux fois, deux coups, deux coups, deux coups. Bah, ça si je fais n'importe quoi, mais. C'est ultra chiant ces boules électriques là qui te suivent pendant 2 heures. Littéralement 2 heures. Pourquoi je monte là en fait? Ah oui, ça on l'a fait tout à l'heure. Oh, pas le couteau. Non, c'est chier à venir jusqu'ici, il va rien avoir au bout, vous allez voir. Hein. C'est pour vous montrer à quel point le jeu c'est un salaud. Hein. Regardez bien. Moi, les malines là. Et eux là, les Werepanthers là. Ah. Two shot. Oh, merde. On level combien? 36. On est encore loin du level 50 qu'il faudrait au moins être, mais bon. Là, il y avait un point de sauvegarde par là, non? Oui. Ah oui, d'accord, on vient jusqu'ici. Pourquoi? Pour rien, parce qu'il y avait une salle de boss, mais en fait, il n'y avait rien. C'est juste pour découvrir la carte que je suis venu ici, tu me fous de ma gueule? Voilà, il n'y a rien. Voilà, bravo. Envie de canner, hein? Vous avez envie de canner, vous aussi? Ben, moi aussi. Comme ça, on est tous ensemble en train de canner. Oh putain. Ah, attendez. C'est raccourci, ça? Mais non, on n'était pas venu là. C'est bon. Alors qu'en fait, retournement de situation. Une potion. Une potion qui me rend 20 points de vie. Alors que les monstres, ils me mettent des mandales à 300. C'est super. Les hyènes. Merde, c'est quoi ça? C'est les were quoi ça? J'ai pas vu le nom. C'est quoi le nom? C'est les... Were jaguar. Les were jaguar maintenant là.
Bravo. C'est le zoo. Bienvenue au zoo de Laval. Même pas s'il y a un zoo, je crois qu'il y a un zoo à Laval. X-Bit, coco! Comment vas-tu? Bienvenue à tous. Là, c'est Paul Red. Vous venez me voir m'emmerder sur Castlevania. Comment allez-vous? Ah, bienvenue à tous. Ce BG. Ah ouais, merci beaucoup, merci. Anoxar, coucou. Comment vas-tu? Vous jouiez à quoi? On est bientôt à la fin du jeu, nous. Bah ça va tranquille, écoute. Hein. Ah, tu sais, moi, travail... Travail maison, hein. Des fois dodo. Et toi alors, quoi de beau? Dead by Daylight. Je vois plein de monde dessus en ce moment. Il y a eu une mise à jour, il y a eu un truc ou quoi? Que tout le monde est dessus. Tout le monde joue à ça en ce moment. C'est revenu à la mode. Alors pendant un moment, on n'entendait plus parler du jeu. Et là, d'un coup... On comprend pas. Pourquoi? Le jeu est bien suivi. C'est revenu à la mode. Bah ouais, c'est... moi je vois plein de gens me dire qu'ils vont jouer à ça. Alors que bon, il y a eu... Oh, il y a une carte qu'on a... Oh, là, 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 une carte qu'on a pas. Oh non, on va pas mourir. Oh non, pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Battle Arena. Dead by Daylight, c'est... Bah c'est tu joues un méchant et tu dois tuer les autres. Ou alors tu joues les ceux qui doivent s'enfuir et tu te fais attaquer par un méchant. Non, c'est pas ça le but du jeu. C'est du 4 contre 1, quoi. Enfin, du 1 contre 4, plutôt. Quand tu dois t'enfuir, t'as des objets à trouver, des trucs à activer et tout pour pouvoir t'enfuir, et t'as un joueur qui est surpuissant, en gros, et qui doit les attraper pour les tuer, quoi. Ah, il est fatigué. Bonne note of fantasy. Des bibis. J'ai la manette qui marche plus. Repose-toi bien. Bon courage pour Deming. Mais ouais, j'ai vu plein de gens dessus depuis quelques temps. J'avais pas trop compris pourquoi. Pourquoi les gens d'un coup ils se mettaient tous à rejouer à ça. Ah, c'est là que je disais le truc où on peut gagner des objets. C'est le Battle Arena, c'est là. On va aller à la sauvegarde d'abord. Des bibis. Non, nous on fait du Castlevania. Du jeu à l'ancienne. Du jeu de vieux. Nous on joue à des jeux... Je vais me faire casser le cul. Attendez, on va faire une save state. Hop, on va se mettre immortel. Avec les cartes. Voilà. Comme ça, il n'emmerde pas. Oh non. Pas emmerder, toi. C'est bon. Alors, on va essayer de faire un battle pour voir. Pas sûr qu'on y arrive, mais... Ah, il y avait un chemin, là. Oui, d'accord. La sortie. On prend de la croix. On va se régène. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts?
On va peut-être tricher. Hein. Parce que dans le jeu, dans celui-là, on peut faire les save state, on peut tout faire. Sur la Switch, ils ont tout mis. Faut nous aider. Pour les nuls. En vrai, le truc, c'est que surtout quand on est très très bas level. Le problème, c'est qu'on est très très bas level. On n'a pas du tout farmé le jeu. Ce qui fait que, bon, ben voilà quoi, il y a un problème. On a un petit problème de level. Et donc là, dans le jeu, en fait, on débloque des cartes. Et on peut faire des fusions de cartes en haut et en bas, en fait. Et ça donne des capacités. Sauf qu'il y a un bug dans le jeu qui permet que, quand vous utilisez la capacité, vous mettez pause. Et vous pouvez choisir même des cartes que vous n'avez pas. Ce qui fait que, par exemple, si je prends celle-ci que j'ai en bas et celle-ci que j'ai pas en haut, hop, ça me donne quand même la capacité comme si je l'avais. Ah merde. Ok, donc c'est... Attention, faut, si vous rentrez, vous avez plus de magie et vous allez être... Ça va être dur. Ça va être dur. Vous allez vous faire bolos, ils m'ont dit. Et surtout... Y a pas de musique. C'est le jeu sans musique. Donc on n'a pas de magie. On n'a pas de vie. Attendez, je peux utiliser des objets là ici ou pas? Ça va être un truc. Ouais. On pense à tout. Hein. Bon, alors moi qui comptais sur mes cartes pour pouvoir tricher et faire des super techniques de la muerte, bon, bah, apparemment dans Los Carlos comme on dit quoi. Parce que s'il faut tout miser sur notre force alors qu'on a 18 levels de retard. Je suis peu confiant, voyez-vous. On n'a même pas de potion pour se soigner. Si vous voulez, au niveau de ma confiance, je suis proche de zéro. Oh putain. Oh putain. Je me souviens que le boss de fin, je l'avais fait entièrement avec ça. Avec les... Oh, mais c'est un enfer, ça, à éviter. Pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Un petit poulet. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Et là on peut faire de la magie là? Bon. Alors là, deux chemins. Soit ici. Attendez. Soit. Si on va là, on va où? C'est la fin de tout. C'est ça? Mais il y a combien d'étages à faire? Et comment on sort d'ici? On va jamais y arriver. Plus de vie.
On va tout faire en trichant. Vous êtes prêts? Pourquoi ça me touche? Pourquoi il n'y a que le dernier caillou qui me touche? Mais c'est un enfer, ça va être impossible à faire. Ça va être un enfer, on va pas y arriver, on n'a pas le niveau. C'est chiant. On va se barrer d'ici. Même si c'est pas la musique, ça me stresse. On se casse. Et par contre, ici on gagne une armure très très puissante par contre. Vraiment, on gagne une armure super puissante. Une arme aussi puissante, je crois. Non, une armure puissante, ouais, ça. Bong. Reprenons nos moutons. Ici, on a une carte qu'on n'a pas. On peut avoir avec elle. Pas nous la donner par hasard. On met le temps qu'il faut pour la tuer par contre. Pour l'XP, 5100. Oh la carte du premier coup. Oh la carte du premier coup. Oh la carte du premier coup. J'en reviens pas du coup. La carte du premier coup on a eu. Ça fait quoi ça? Ok, la chauve-souris de merde. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, mais ma magie aussi elle... Pas mal quoi. Voilà quoi, ça me défonce bien la magie quoi. Oh c'est nul. Oh là là, c'est la chouette d'Harry Potter. Putain, l'oiseau il est plus gros que moi quoi. Confiance moi. Attendez, parce qu'en bas il y avait un chemin où on n'avait pas été. Vous avez vu? Vous voyez ou vous voyez pas? Moi je vois. Attendez, voici dire autrement. Putain. Non mais arrête de guiguiguer. Bon, le condor là, c'est bien beau, mais. C'est quoi ça? Oh la gueule! Ça paralyse, ça fait quoi ça? Ça fait quelque chose? Ça pétrifie? Ça fait. Mais pourquoi tu tires si haut? Mais ça sert à rien que tu tires à perpète? C'est mieux ça. Hein. Cherchez pas, c'est mieux ça. Lui, il met un peu de temps à se déclencher, mais une fois qu'il y va... Il le roule dessus, quoi. Regardez l'épée. Hein. Bam, 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 ça y est, morte. Regardez, il y a un chemin qui doit être par là-bas. Aïe. On est cursed. Il y avait une cure potion. Oui, mais du coup. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est la sortie.
Je suis bête. Alors qu'il y avait le téléporteur là-bas, on aurait dû prendre le téléporteur, moi. On va y aller. Merde. Et qu'est-ce que ça fait quoi, ça? Ah oui, celui-là, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu, il est bien, mais il consomme beaucoup de mana aussi. Hein. Dès qu'il touche quelqu'un, bam! Et le problème, c'est que mon mana... pas limité, quoi. Pas du tout illimité. Tu peux attaquer un peu ou pas? Comment ça se passe? Ah, c'est le one shot quoi, chaque fois. Quasiment quoi. Ça augmente mon attaque? Non, pas du tout. Vas-y! Et vas-y! 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 Il est nul. Un peu nul quand même. Et c'est là le téléporteur. On est où? On n'est pas là où je veux. On est où? On est là où je veux. Il y a une bonne sauvegarde par là? Oui, là-bas. On prend les boules de feu qui nous protègent. Comme ça, s'il y a des passages secrets. Clic, clac, clouc. Voilà YouTube, on se fait des bisous. Ou pas. Ou pas. Allez, on va finir un peu d'exploration YouTube. Comme ça pour YouTube aussi, un peu d'exploration. Hein. Pour s'emmerder. Je sais que YouTube, ils aiment bien s'emmerder avec nous. Allez. La Wish. Oh non, la chute. C'est la chute. Ça, je peux vous dire que la chute comme ça, ça finit mal. Qu'est-ce qu'il y a par là? Comment on va là-bas? Intriguant. Ah, c'est la sortie quand on a fini tout le donjon. Tout le battleground. Là, on n'a pas été par là, regardez. On y va. Don't move. Non, me dis pas qu'il y a pas de passage secret par là, là. Je te croirais pas. Oh, les salauds. Pas de passage secret. Ici, alors, ici. Oui, ici. Ah oui, ici. Quoi? C'est honteux. Ça? C'est honteux. Ça, c'est honteux. Non, mais c'est pas possible. Aucun passage secret. On n'y croit pas. J'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Ah, au-dessus. Eh, va me la faire à moi, celle-ci. Hein. Non, mais... Incroyable. Incroyable. Ah, il doit être ici, alors. Ah non, on a pas fini. Oh non, la chute. Non, foutez-moi la paix. C'est bon. Il a le passage, vous allez voir. Putain, mais y'a rien, j'hallucine. L'alu. C'est l'alu. Même là, il n'y en a pas un là. Un petit là.
mon cul, ouais. Dégoûté. Ah, super. Ah, c'est pratique de voler, hein. Enfin, de voler, de planer, quoi, plutôt. Qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Hop là! Rien ? Ah si, là. Les flammes, elles vont passer vite. Donc, ça m'a bien l'air d'être un nouveau niveau. Pouette. Un grand classique, cette musique, quand même. Pouette. Oh non, bah alors ils font chier, eux. Ils me cursent. Pouette. Passage gré. Ouais, super. Oh non! On a exploré 80% de la carte, quand même, hein. De sûrement y avoir un point de sauvegarde par là. Par contre, si je peux pas taper, c'est chiant. C'est la chienlie. Pouette. Apparemment, c'est pas par là qu'on sauvegarde. Minotaur, une carte qu'on a déjà. Ils sont vénères. Ils sont vénères. Mais il n'y a même pas le temps de taper une fois, quoi. C'est incroyable, cette histoire. Oh non, fous-moi la paix. J'en ai marre de toi. Ça pour avoir des cœurs en plus, qu'on se sert jamais en plus. On a pas été là. Non, on a pas été. Ouh là là. Il y a un passage secret sur le dessus là, regardez, non ? J'ai l'impression que le jeu me dit attention, il y a un truc au-dessus. Ah oui, c'est là. Bouy. Ah, de la vie. Vie max augmentée. On a combien de vie là, maintenant? 730. Il y a toujours level 36, ah ouais, purée. On n'avance pas des masses en niveau level. Faut dire qu'on esquive beaucoup les monstres aussi, hein. Hop. Bon, là, évidemment, il suffit que je dise ça pour... me le prendre dans le cul. Petit coup d'épée dans le fillon. Oh putain, il y avait un mur, Jean-Richard. Je me fais laver. Allez, regardez, juste à côté, il y a un petit carré tout seul, là. Me dites pas qu'il n'y a pas un passage secret, là. En dessous, là. Là, il y a forcément un passage secret. Il y a forcément un passage secret. Il va être ici.
vers le haut. Non. Elle devait passer tout à l'heure par ici. Si ? Ah si, mais apparemment, y'a rien. Déception. Nous sommes la déception. Oh non, fous-moi la paix, toi. C'est dégueulasse déjà, là. Sorti tout droit d'un taille, là. Poète. Qu'a-t-on par ici? Oulala. Les sirènes. Du phare d'Alexandrie. Petite sirène du phare. À droite, il y a bien du niveau. Hein. Il n'y a que dalle. Je sais pas où on va, mais on y va. Oh, la vie? Non, un truc nul. Faut mourir maintenant. Hein. J'ai plus de vie. Il serait temps de trouver un point de sauvegarde. Merci. Je pense qu'il doit y avoir un boss pas loin là. On va juste finir l'explo. Voilà, il n'y aura rien de toute façon. Laisse-moi ça. Même si je pense que s'il me la donne, c'est qu'elle va sûrement me servir, mais... Oh. Non, fous-moi la paix, Minotaur. Est-ce qu'il y a au bout un HP up? Ouais. Bon, de combien il passe? 730, à combien? On a jamais regardé. 740. On gagne 10 points de vie, quoi. C'est pas fou. Et eux, combien ils me font gagner? 11 390. Ah oui, quand même. Ça vaut peut-être le coup d'en bourrer un ou deux, quoi. On va s'en bourrer encore un ou deux pour de monter à niveau. Mais en combien? 5000, trop long. On bourrera plus tard. Oh non, mais c'est... Du lan. Des demi-chevaux avec un cavalier mort. Oh putain. Foutez-moi la paix s'il y a un boss. Je vais arriver sur le boss avec plus de vie. C'est où? Oh, par contre l'XP quoi. On a gagné 2500 quoi. Allez, s'arrête là. S'il s'arrête là,
c'est cheaté. On peut les fermer comme ça, les 65 000, 62 000. On gagne 3000 points, 3000 points XP. Quand même pas mal cheaté, j'ai l'impression. Mais en plus, y a pas du tout de boss. Ils nous ont fait croire le jeu, mais en fait, on... Il y a forcément un boss par là, c'est sûr. Passage de gré ? Non. Non, pas la glace. Ok, en haut il y a une porte. Et en bas il y a une porte. Ok, là c'est, ça m'a l'air d'être l'angoisse. Et ici la semi-angoisse. Oh ! On en parlait tout à l'heure avec, avec Fantasy. Elles sont quand même moins sympas celles-ci, hein. Je pense qu'elles ont été rework pour la version européenne, celle-ci. Je sais pas si je peux changer de... Attendez, on fait juste un test. Regardez, là normalement je peux... Attendez, on pouvait pas choisir la version du jeu, non ? Je voulais voir leur skin en fait sur la version non européenne, quoi. Parce que je pense que elles sont plus nues normalement. Mais je pense qu'elles ont été rework pour l'Europe. Genre en mode, non, faut pas qu'elles soient trop nues quand même. Je pense. Justement, elles sont de face et tout. Là, elles sont de dos. Et puis le skin est bizarre, il est pas très beau. Du personnage, il est tout fin, tout dégueulasse. On dirait vraiment quelqu'un qui a fait ça, que c'est pas son métier, quoi. Je rajeune un peu parce que... dans la merdasse. Merde, mets le bouton. Ouais, et puis ça a de la vie, quoi. Oh non! Les shuriken! Vite, ils vont disparaître! On va régénérer un peu. C'est long. Ça, on n'est pas trop mal en vie là. On va passer sur la technique ultime. Allez mon petit. Mais mon petit. Mon petit. Mais il dort.
Ah, tout ça pour ça. Envie de canner. On a gaspillé la moitié de nos cœurs, on a plus de vie pour ça. Forzat. J'ai l'impression que là c'est la merde par ici. Je sais pas pourquoi mais... J'ai l'impression que ça va mal tourner. Merde, j'ai lancé un truc sans faire exprès. Il y a un truc ici? Oui, effectivement il y a un truc mais... Allez, les mecs de l'ombre là. Ils doivent dropper la carte, la dernière carte qui est trop forte. Ben non, même pas. Oh, par contre, ouais, voilà, voilà l'angoisse quoi. Ouais, c'est pas du tout l'angoisse pour les tuer par contre. Bah, c'est la meilleure armure du jeu quoi du coup. Enfin, avant celle qui est over abused là que je vous parlais tout à l'heure, là qu'il faut faire le truc du challenge là. Et jamais il y a un point de sauvegarde dans ce jeu? Merde. J'ai plus de vie. Ouh là là. Un truc qui m'a touché d'en dessous, mais... C'est l'autre là-haut là qui m'avait tiré dessus. L'autre d'en bas, je veux dire plutôt. Oh la vie. Hop, merci. Merci pour les serviettes. Mais ils enchaînent en plus quoi, c'est ils sont pas là pour enfiler des perles. Hein. Ah il a le... la sauvegarde est là. C'est incroyable. Là, alors elle est en dessous. À un moment donné... Non jamais quoi, en fait la sauvegarde n'est jamais là. C'est un jeu où il n'y a pas de sauvegarde. Merde, je me fais toucher par lui. Mais le pire! Bon, merde. Bravo! On va d'abord aller voir ici. Ah, ils sont trop vénères. Ah, les mitraillettes sur pattes, là, ils sont... Ils rendent ouf. Là, je crois qu'il va y avoir Hugues. Je crois que Hugues, il est par là. Je me souviens de Hugues. Oh, purée de pommes de terre. Et comment je suis censé esquiver ça? Ça je pense. Pardon? C'est une blague ce monstre ou quoi? On en parle de ce monstre de l'enfer? C'est marrant parce que c'est des villes. Pas bourré hein. On est 34 000 points d'XP. Oukon de tokon tototototon. Ok, donc il a 2 millions de points de vie, ça on a bien compris. Ok.
Et on gagne des super potions. C'est l'un deuxième par contre, je veux... Je vais vous le dire tout de suite, je passe pas. Oh c'est... Il faut que je régène tous les 10 mètres. Voilà, tous les 10 mètres on se fait chier, on met pause et on fait ça. Tu veux foutre la paix toi ou quoi? On va se mettre un, on va dire un quart de vie jusqu'au 6. J'ai en clignote plus, là je crois que c'est quand on a un quart. On se met un peu de rab pour la route. Ça doit être un tiers là. Pas trop mal. Pas sérieux ça, j'avais une chance sur combien de me le prendre au moment où c'est que je saute dessus là. En plus pour rien je sais pas ce que... Ah si ça va, il y a un passage secret. C'est quoi ce passage secret? C'est un passage secret mais c'est un autre niveau. Oh non, arrête-toi, arrêtez-vous, hein. Regardez, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, fous-moi la paix. Y'a rien. C'est vraiment en train de me dire que je me fais chier à passer par là pour rien. C'est exactement pareil que si je passais par là. Eh ben nique. Aïe. On va aller en bas. En bas qu'il faut aller. Ah bah y'a un téléporteur. Du coup on va pouvoir aller mettre de la vie quoi. On va aller là. Merde. J'allais dire j'ai tellement plus de cœur pour faire des sorts aussi. Et qu'est-ce que je fais? Je balance mon... Mon étoile. Le pire. C'était où le téléporteur? Oh non mais ça c'est des foutages de gueule. Mais elle a tout fait en haut là? Je comprends pas que... Ah non, en il reste encore une zone en haut. C'était bien, c'était bizarre cette histoire. Non, pour passer le diable? Oh là là. Me tire moi. Oh et ça, il s'arrête pas lui hein. Et voilà, c'est là qu'elle bosse. Du coup voilà YouTube, on va se faire la petite pause secrète ici, comme ça pour la prochaine fois on reprendra avec le boss. Des bisous YouTube, à très vite.